Paris fut à la fois le lieu de l'exil volontaire et la ville d'adoption de Mohamed Erkoun. Arrivé dans la capitale française au début des années 50 pour poursuivre ses études, il se passionna pour les luttes et l'émancipation des pays du Maghreb au contact d'autres étudiants nord-africains. Intéressé par les réformes laïques introduites par le leader tunisien Bourguiba, il pensait déjà que son Algérie natale, à laquelle toute sa vie restera viscéralement attachée, devait prendre le chemin de la modernité et de l'émancipation. En dépit de la colonisation qu'il condamnait, il inscrivait cette émancipation dans le sillon des valeurs humanistes de 1789 et du siècle des Lumières. C'est tout naturellement au sein de l'université française qu'il intégra au début des années 60 que Mohamed Erkoun entamera son long chemin pour élaborer sa pensée sur l'héritage islamique, ses richesses et ses clôtures dogmatiques, selon une formule choc qu'il utilisait souvent. Les fonctions essentielles que M. Erkoun a occupées, c'était d'abord d'être le professeur d'islamologie, d'études islamiques. Mais administrativement, il a été responsable du département, responsable de la section d'arabe, et c'est comme ça que j'ai connu M. Erkoun. Il a été un des formateurs pour l'agrégation d'arabe, dont il était titulaire depuis les années 50, lui-même. Et donc, il a occupé, j'allais dire, toutes les fonctions à tous les échelons. La nature des rapports avec M. Erkoun, c'était d'abord, en tant qu'étudiant, le fait d'avoir assisté à ses cours pour la préparation de l'agrégation. Donc je l'ai retrouvé en tant qu'étudiant. Et à l'époque, la période, il n'y avait pas beaucoup, disons, de questions fondamentalistes. Ça n'existait pas encore dans cette université, ni dans d'autres. Et je me souviens de cette question, comment sait-on qu'on est musulman ? Et là, la question. Et M. Erkoun, je me rappelle, avait répondu : on sait qu'on est musulman lorsqu'on a déposé les armes devant Dieu. Et je me souviens donc de cette idée. Et il disait être musulman, c'est l'être par expérience. Pour l'historien, la croyance est une construction sociale progressive au cours de l'histoire. Évidemment, ça heurte directement le dogme qui dit que Yahdi min yasha ou yudhil min yasha. Dieu donne la foi à qui il veut et ne la donne pas à qui il veut. Ou du moins, il le guide dans son droit. Alors, l'historien ne rejette pas cette opposition, mais il se fait un devoir de l'analyser. C'est la doctrine qui évolue. Ce sont les doctrinaires qui définissent la foi. Et les doctrinaires, on les appelle des acteurs sociaux. Ce ne sont pas nécessairement des croyants. Les sociologues parlent d'acteurs sociaux parce que c'est un terme neutre. Tandis que si je m'agrippe dès le début aux croyants, je vais écouter une version qui ne respecte pas l'histoire, justement, de la formation progressive de la foi et des changements des contenus de la foi que subit toutefois et dans toutes les religions, ce que je dis, bien sûr, s'applique à toutes les religions, à toutes les formes de la foi. Il a voulu faire comme Kant, la critique de la raison islamique, c'est la critique de la raison pure, qui nous a fait tellement emmerder dans nos études. Terrible, moi ça m'a rendu malade, mais enfin c'est autre chose. Mais il a voulu, oui, mais il l'a fait. Est-ce que c'est valable pour tout le monde ? Non. Même pas pour les réformateurs. Mais a-t-il contribué au mouvement de réforme ? Oui. La raison critique enrichit la foi. Dominique Chenu, grand théologien dominicain, a l'habitude de dire, et il s'est battu pour ça, et il a eu des ennuis avec le Vatican pour ça, pour s'être battu au sujet d'une définition de la théologie au XIIe siècle, au Moyen-Âge, en disant... La théologie, c'est l'intelligence de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est merveilleux. Et le temps moderne, aujourd'hui ? Tous les temps. Déjà au Moyen-Âge, parce que c'est un médiéviste, et il a utilisé la naissance de la théologie catholique au Moyen-Âge, déjà, elle était à l'épreuve de l'histoire du Moyen-Âge, où l'islam était présent face à la chrétienté, et où les guerres déjà
et le djihad d'un côté et les croisades de l'autre existaient déjà comme nous sommes en train encore aujourd'hui de les vivre. Comment expliquer cette continuité justement du Moyen-Âge jusqu'à nos jours? Eh bien, elle s'explique par une démission de la raison. Harkoun n'est pas complaisant vis-à-vis de la modernité européenne. Et souvent, dans le monde musulman, et moi je m'aperçois que souvent certains intellectuels sont, si vous voulez, sont dans la critique de leur propre tradition, bon, très bien, mais par un modernisme, oui, que lui aurait appelé de bazar, donc, un modernisme un peu simple, si vous voulez. Nous nous enfermons dans ce que j'appelle les clôtures dogmatiques. La clôture dans le jardin, clos de mur. On dit, j'ai acheté un jardin, clos de mur, pour que personne ne jette un regard sur mon jardin. C'est ça la clôture. Et la clôture dogmatique, c'est l'attitude de l'esprit humain. L'esprit humain est porté au dogmatisme. Pourquoi? Parce que le dogmatisme va avec l'exercice du pouvoir. L'apport de M. Harkoun à la pensée islamique est énorme. Il a été celui, d'abord, un remueur d'idées. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, dans, je dirais, la première partie de sa vie, a été le défenseur intransigeant des valeurs historiques, civilisationnelles de la pensée musulmane. Et il l'a fait en Occident, et il l'a fait en français. Donc, il a fait connaître un point de vue qui était ignoré, sauf des orientalistes ou des islamologues francophones. Que nous devons bien faire une distinction entre l'islam en tant que religion, en tant que croyance, en tant qu'ensemble d'expressions rituelles par lesquelles s'expriment les croyances, et puis la pensée qui est une activité intellectuelle qui s'intéresse bien sûr à la religion, qui essaye de donner une cohérence rationnelle à ses croyances religieuses, mais qui explore aussi d'autres domaines de la connaissance, comme l'histoire par exemple, comme la linguistique, comme la géographie, toute science que les exégètes, par exemple, étudient avant de se lancer dans le travail délicat de lecture et d'interprétation du Coran. On a donc tout un ensemble de disciplines qui sont des disciplines scientifiques, qui ont des règles, qui ont des méthodes que l'on apprend, bien sûr, et qui sont investies pour apporter dans la croyance religieuse toujours plus de lumière et plus de cohérence. Car une religion qui est privée de cette activité intellectuelle devient très vite un système de superstition. J'ai connu Mohamed Harkoun dans l'année 54. C'était une année où les débats dans le mouvement étudiant algérien sur la question nationale sont devenus très vifs. Et d'une certaine manière, comme nous étions un peu sur la même longueur d'onde, le débat c'était la nation algérienne sera-t-elle multiconfessionnelle et multiethnique ou sera-t-elle arabo-islamique. Et on avait constitué quelque temps auparavant une union étudiante, celle des étudiants algériens de Paris, qui était multiconfessionnelle. Y participaient des Juifs et des Français acquis à l'idée d'indépendance de l'Algérie. J'ai grandi à Aïn El Arba, qui est à 40 km de Témouchente, où il y avait ce pluralisme culturel, religieux, linguistique, intellectuel,
Et en tant que, justement, issu de cette terre, je souhaite que ce pluralisme revienne dans cette Algérie avec la même richesse et la même efficacité, sauf, bien entendu, le colonialisme qu'il a fallu abattre et qui a entraîné l'appauvrissement de la société algérienne du fait que c'est par la force que l'Algérie a dû reconquérir une indépendance. Il y avait une dimension dans le débat qui lui importait beaucoup. C'est la reconnaissance de la diversité algérienne et en particulier le côté berbère de la société algérienne. Je suis né à Taourirt Mimoun, un village kabyle situé à 1200 mètres dans la montagne d'Urjoura, dans une famille modeste où mon père tenait une petite épicerie. Ma mère était analphabète. Alors je me suis échappé comme ça, tout seul. Je me suis battu tout seul et j'ai eu très tôt la passion des autres. Ainsi parlait celui qui sera élève chez les Pères Blancs avant d'aller poursuivre ses études secondaires à Oran. C'est à Alger qu'il effectua ses études supérieures où il obtiendra sa licence en langue et littérature arabe en 1952. Ce sera le début d'un long parcours intellectuel qui le conduira à Paris, où il passera avec succès son agrégation d'arabe et obtiendra son doctorat en sciences humaines. Commence alors une carrière de professeur qui le mènera de l'université de Strasbourg à la prestigieuse université de la Sorbonne, où il terminera sa carrière comme directeur du centre des études islamiques. Quand on commence à citer les universités où il est allé enseigner, on n'en finit pas. Il a enseigné dans tous les continents. Il a enseigné dans les plus grandes capitales, aussi bien occidentales, américaines, asiatiques, arabes, etc. Il était même l'invité des séminaires de la pensée islamique, c'est-à-dire là où se retrouvait, qui était un terreau d'islamistes. Et M. Harkoun, j'ai lu quelques rapports et comptes rendus de ces séminaires, était souvent pris à partie. Justement, il était considéré comme le laïcisant, presque athée, mais il avait le courage d'y aller. Tous les musulmans parlent d'ijtihad, mais ils ne savent absolument pas ce que c'est. Je le leur dis, c'est faux, tout ce qu'ils disent est faux. J'exagère peut-être parce que je fais cela pour réveiller un petit peu les endormis. Mais l'ijtihad mérite d'être totalement repensé. C'est ce que j'appelle la critique de la raison islamique. C'est l'objet de la critique de la raison islamique. Mais pour faire cette critique, il faut être armé de connaissances historiques, anthropologiques, linguistiques, parce que nous avons à lire des textes, et en particulier le texte coranique et le texte des hadiths. Et lire un texte religieux est une chose difficile. Ça n'est pas donné à n'importe qui. Or, n'importe qui arrive, s'empare d'un verset coranique et en fait un verset de légitimation pour aller faire la guerre, du terrorisme, de tout ce qu'on veut, tuer les gens. Mais voilà, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais même si c'est dit souvent, moi je suis content qu'on le rappelle chaque fois qu'on parle de lui, c'est qu'il avait tous les titres que nous réclamons, nous. L'agrégation, le doctorat, le professorat dans les grandes universités, en plus des thèses, et qui autorisait, qui donnait de l'autorité au texte. L'idéal, c'est en effet de sortir de plusieurs siècles, non seulement d'ignorance, mais d'exclusion réciproque délibérée. Je veux dire que nos cultures respectives, nos théologies respectives ont fonctionné jusqu'à des temps tout à fait récents, et même aujourd'hui on peut trouver des exemples de cette exclusion, les théologies ont fonctionné comme des systèmes culturels d'exclusion réciproque, à savoir que chaque religion s'est affirmée comme étant la manifestation de la vérité que les autres doivent reconnaître. Et cette foi, elle-même, se trouvera dénaturée. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur un postulat que la raison au Moyen-Âge ne pouvait pas vérifier. Il ne lui était pas permis de vérifier, encore que quelques-uns ont fait des efforts.
C'est le postulat de la religion vraie. Dînul haqqi, dit le Coran. Inna dîna indallahi l'islam. Dînul haqqi, voilà le concept central que la raison médiévale n'a pas pensé, comme nous, aujourd'hui, nous pouvons le penser. Nous sommes entrés dans le domaine de la sécularisation sans le savoir. Et quand on étudie un peu les phénomènes de la sécularisation en Europe, ça s'est passé un peu comme ça. Et d'ailleurs, dans une conférence que nous avons fait ensemble à Versailles devant les protestants, il a développé cette thèse en s'adressant en pédagogue à l'auditoire avec un peu de sévérité. Vous ne connaissez pas votre histoire, je vais vous la rappeler. Et il a entonné son chant sur la sécularisation en Europe. En islam, en théologie, vous avez la théorie islamique, c'est l'islam qui le dit, de ce qu'on appelle l'imam al-mujtahid. L'imam al-mujtahid correspond exactement au docteur en théologie chrétienne. L'imam al-mujtahid est quelqu'un qui s'occupe de la lecture du Coran, de l'exégèse du Coran, pour montrer comment la règle religieuse, les règles de la charia, doivent être articulées à ce que dit le Coran. Alors, c'est un travail de spécialiste. Et il y a des conditions de compétences qui sont codifiées dans les ouvrages d'Usul al-Fiqh, c'est-à-dire les sources du droit, justement, qui sont parfaitement codifiées. Et une des raisons parfaitement indiquées pour que quelqu'un occupe la charge d'imam mujtahid, de docteur de la loi ou de docteur en théologie, c'est qu'il n'appartienne pas au rouage officiel de l'État. Vous voyez ? C'est une séparation. Parce que s'il appartient au rouage officiel de l'État, il va dépendre du pouvoir politique de l'État. Et il aura moins de liberté, la liberté essentielle dont doit jouir le théologien lorsqu'il lit la parole de Dieu, lorsqu'il interprète le Coran. Ça doit être en 2002. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mohamed Harkoun. L'idée, en fin de compte, était surtout, d'après les mots de Mohamed Harkoun, de faire la critique des mytho-histoires, ce qu'il appelait mytho-histoires, c'est-à-dire les narrations qu'on se raconte, que les communautés humaines se racontent à elles-mêmes sur leurs origines, sur leur identité et sur leur relation à l'autre. Il fallait décortiquer tout ça. Comment la France avait vu l'entité islam, à commencer par la fameuse bataille de Poitiers en 732, comment cette bataille d'ailleurs avait été réinterprétée au cours des siècles, comment on nomme le musulman, hein, mahométan, sarrasin, etc., jusqu'à immigré dans les années 60, travailleur immigré, etc. Donc, toute c'est l'histoire de l'image de l'autre. Je suis persuadé, en tout cas, que la lecture de cet ouvrage va permettre de découvrir un regard sur les cultures et les modes d'interprétation de ces cultures qui, jusqu'à présent, ont été en conflit permanent. L'islam est entré en conflit théologique avec les deux religions monothéistes précédentes dès le début. Parce que théologiquement, l'islam rompt à la fois avec le judaïsme et avec le christianisme. Et c'est un conflit théologique, c'est-à-dire ça touche au fondement même de toute cette aventure monothéiste
moi je mets l'accent sur cette rupture théologique qui va nourrir pendant des siècles, non seulement des ruptures, mais des conflits politiques constants qui se sont succédés, on va voir la succession. Et alors, au lieu de décrire ces conflits comme des événements politiques qui passent les uns après les autres, à chaque conflit ressurgit justement ce socle théologique qui intègre chaque conflit comme une plateforme de résistance et de rejet de l'autre, et le rejet est réciproque. Si on avait fait ce travail-là, c'était pour aussi pour la formation des formateurs. Le problème, c'est que dans l'enseignement secondaire, et même dans l'enseignement universitaire, nous avons affaire à des enseignants qui sont souvent, d'une part, de très bonne volonté, ça j'y crois, d'autre part, parfois extrêmement brillants, souvent intéressants, brillants, etc., mais qui n'ont pas été formés du tout à ces questions-là. C'est comme un tabou, quoi. C'est le tabou de notre société, et qui sont donc tout simplement ignares en la matière. C'est une autre histoire de la pensée islamique que nous devons absolument écrire de toute urgence et l'enseigner dans toutes les écoles. Mais pas seulement dans le monde islamique. À la Sorbonne, dans les universités du monde occidental, puisque le monde occidental ne fait que parler de l'islam, de l'islam, de l'islam. Et ce mot-là qui est utilisé qui génère de façon outrageusement ignorante par pratiquement tous les acteurs sociaux, eh bien, c'est faute d'ouvrir les portes à une recherche scientifique adéquate et neuve, recherche scientifique qui va permettre de former des maîtres. Il nous faut des maîtres nouveaux. Il a essayé comme essaye un homme qui croit au pouvoir des idées et au rayonnement des idées et qui néglige le côté social de la dynamique. Il a toujours essayé d'intervenir auprès d'autorité directement, etc. Il n'a pas vu, à mon avis du moins, que cette question était des questions politiques et qu'il fallait prendre le risque, quelquefois, de se mêler au bruit. Monsieur Mohamed Harkoun, au nom du président de la République, nous vous faisons officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Vous pouvez applaudir maintenant. Auréolé d'une reconnaissance internationale jamais démentie et accueilli dans les plus grandes universités du monde, Mohamed Harkoun aura marqué des générations d'étudiants et de chercheurs. Loin de faire l'unanimité dans les milieux islamisants parce qu'elle bouscule des certitudes et des dogmes figés, sa pensée appelait à une double critique, celle d'une modernité occidentale exclusive et d'un monde musulman orphelin d'un âge d'or révolu. Tout récemment, la ville de Paris a rebaptisé du nom de Mohamed Harkoun la bibliothèque de la rue Mouffetard, au cœur du quartier latin. La ville Lumière célèbre en quelque sorte un penseur et un esprit des Lumières. J'ai souvent entendu dire mon mari, le savoir est la seule chose que vous recevez et que personne ne pourra jamais vous enlever. Je voulais que Paris inscrive le nom de Mohamed Harkoun dans son identité profonde. Parce que cet homme a été un intellectuel brillant, a été quelqu'un qui a rassemblé, qui a participé beaucoup au dialogue entre des gens différents et qui surtout a été en permanence un homme d'intelligence et de paix en même temps. Pour perpétuer sa mémoire et faire connaître son œuvre, il a été créé une fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures, dont l'objectif est de mettre à la disposition du grand public l'essentiel de son œuvre. 4 ans après sa disparition, sa pensée est d'une actualité brûlante. Elle nous éclaire sur l'histoire de l'islam, avec sa richesse, sa complexité et sa part d'universalité. Elle nous donne les clés pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La production d'ouvrages humanistes directement écrits en langue arabe est devenue
extrêmement rare, sinon rarissime. Elle est inexistante. C'est un constat. Et donc votre livre vient combler ce déficit. Il essaye de dire attention. Nous sommes en train de négliger parce que nous parons au plus pressé, et le plus pressé, hélas, c'est le militantisme idéologique, ce qui amoindrit l'homme, ce qui écrase même l'homme, ce qui assassine l'homme dans les rues. Eh oui. Est-ce qu'en ce moment, les problèmes ne sont pas plus importants que les questions et que les capacités de les résoudre? Ça, je suis effrayé. Non, cette époque, du point de vue philosophique et surtout théologique, me fait peur. C'est une époque où nous avons besoin de Moïse Darkoun, justement à cause de cette peur. Lui, on a besoin de lui et de tous les disciples. On a besoin qu'il y ait des lecteurs. On a besoin que des lecteurs qui réfléchissent avec la même liberté que lui. Oui. Et si on ne lui a pas rendu assez hommage, eh bien, c'est-à-dire qu'on a raté notre vocation. Si je devais le caractériser, c'est un enfant des instituteurs qui a enseigné en Kabylie. Parce que ce côté pédagogique, hein, cette insistance sur le discuter, parler, transmettre, etc., c'est quand même quelque chose de très important dans des situations où la transmission est totalement évacuée. Je ne peux pas avancer et je ne peux pas défendre, comme je le fais, une vision humaniste de l'histoire future qui se décide dans les instances internationales comme celle de Kyoto, l'écologie, et l'environnement, le marché libéral, les effets pervers du marché libéral, une partie du monde qui est livrée à l'état de résidus et d'abandon, qui n'a même pas un nom. Autrefois, on parlait du tiers-monde, maintenant on ne sait pas comment nommer toutes ces sociétés laissées à l'abandon. Vous rendez compte, c'est l'anomie. L'anomie pour combien de peuples, car il s'agit de peuples, pas tellement d'États, les États sont passagers, contingents, conjoncturels. Ce ne sont pas les États qui sont importants. C'est la persistance des peuples et de l'éthos moral, culturel de chaque peuple qui compte, parce que c'est celui-là qui survivra et qui s'investira dans la production de l'histoire des sociétés